Quel futur pour la région Île-de-France ? Nous avons posé la question à Rémi Berg, rencontré au CES de Las Vegas. Rémi Berg, Choose Paris Région, qu'est-ce que vous venez chercher au CES ? Alors en fait, on ne vient pas que chercher au CES, on vient déjà représenter la première région d'Europe qui est l'Île-de-France. Ici au CES, c'est la première région d'Europe en termes d'innovation. Et donc on vient présenter plus d'une centaine de start-up franciliennes qui étaient présentes et qui sont présentes pendant ces 4 jours au CES. Qui sont regroupés à la French Tech, c'est ça ? Alors effectivement, un certain nombre sont présentes sur le stand de la French Tech parce qu'on joue collectif avec les autres régions de France, mais certaines startups sont aussi présentes sur le stand auto parce que sont plutôt des scale-up et qu'elles sont plutôt dans le domaine de l'automobile, et puis d'autres sont simplement réparties toutes seules au sein du salon. L'innovation en termes de business, c'est quoi ? Alors c'est déjà en Île-de-France à peu près 20 milliards investis chaque année dans la recherche et développement. Ça veut dire qu'on a à peu près entre 8 et 10 000 startups en Île-de-France qui sont des sources d'inspiration, peut-être parce qu'elles vont grandir et conquérir des nouveaux marchés, ou simplement parce qu'elles vont apporter des solutions à des grands groupes français et internationaux. Est-ce que c'est aussi une source d'attractivité pour le territoire ? Alors c'est effectivement une source très importante d'attractivité, et c'est la raison de la présence principale de Choose Paris Région ici au CES. En fait, nous on travaille principalement avec des grands groupes français qui sont des grands donneurs d'ordre. On va chercher leurs besoins en termes d'innovation et on va aller sourcer dans le monde entier, donc notamment au CES, des startups internationales qui peuvent répondre aux besoins de ces grands groupes. Donc en fait, pour remplir notre mission d'attractivité, on va partir des besoins du territoire et on va chercher et sourcer ces entreprises internationales et donc leur proposer, notamment ici au CES, de venir accélérer leur développement en France. Voilà. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit « Choose Paris ». Choose Paris Region ».